Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour découvrir 3 astuces rapides pour débloquer la base de votre Melo 3 ou Melo 3 Mini de chez Leaf. Première astuce, utilisez des gants pour une meilleure adhérence. Cette technique est simple si vous êtes équipé. Vous aurez juste à enfiler vos gants pour dévisser votre base plus facilement. Deuxième technique, si votre base tourne dans le vide, insérez un embout de ciseau dans l'une des rigoles après avoir dévissé le top cap. En faisant attention à ce que celui-ci ne rentre pas en contact direct avec le Pyrex. Puis faites pression vers le haut à l'aide des ciseaux, tout en tournant la base vers le bas pour débloquer celle-ci. Troisième astuce, si vous êtes équipé de 2 vap bands, positionnez ceux-ci sur la base et sur la partie inférieure du Pyrex. Puis forcez sur ces 2 supports pour défaire votre base. Et voilà, on espère que ces astuces pourront vous dépanner si jamais votre Melo 3 se bloque. Bonne vape à tous et à bientôt sur cigarettelec.fr.